Yo tout le monde, c'est Josplay. Aujourd'hui on s'attaque au jeu Mario banni par Nintendo. Et oui, comme tous les fangames qui sont un peu trop bien faits, Nintendo a pris peur et a voulu à multiples reprises éteindre le jeu et poursuivre les créateurs en justice. Du Nintendo quoi. Bref, du coup, Super Mario Bros. New World, c'est quoi? La suite de Super Mario Bros. Sur Wii que l'on a tous fait avec de nouveaux mondes, de nouveaux ennemis, une toute nouvelle aventure unique par des fans et pour des fans. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à venir sur Twitch, il y a toutes mes aventures et en live. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui, Mario. Incroyable New York. New York? Comment ça New York? Non, je rigole. New York, ouais, skip. Tout le monde me dit que c'est incroyable. On y va. Mais ouais, et c'est vraiment carrément nouveau menu et tout. Hein. On en est là. Mario et ses amis viennent d'arriver à l'île de Yoshi, mais la princesse est plus là. C'est juste après le 1 en fait. Enfin la version officielle. Voilà. Et là on est sur l'île de Yoshi. Je sais que les médailles là, vous savez qui servent à rien de base, servent à quelque chose. Premier niveau. Je pense pas que le début du jeu est dur, sachant que bon, faut quand même rappeler que je suis un pro gamer quoi. Ça c'est une bonne idée je trouve. Hein. Que les pièces servent, je trouve ça vraiment une bonne idée en fait. On dirait vraiment un vrai jeu. Hein. Mais du coup, c'est ce que je disais. Je me dis, pourquoi est-ce que, ce qu'on disait hier, pourquoi est-ce que Nintendo ne ferait pas, genre, tout simplement, hein, ils engagent, par exemple, cette team-là, et ils font un nouveau jeu. Comme les mecs de Sonic ont fait, quoi. Ce serait incroyable. Au lieu de nous dire, ouais, on a plus besoin de Mario 2D comme celui-là, parce que on a fait Mario Maker, et du coup, vous pouvez le créer vous-même. Mais, qui est vos mères, quoi. Je suis désolé, Nintendo, là, il faut aller se faire foutre. Je me rappelle plus trop du fonctionnement de Yoshi. Hein. Moi, généralement, le Yoshi, je l'abandonnais, j'allais chercher du lait et tout. Non! En tout cas, les pièces, les grosses pièces, on va essayer de les prendre un maximum parce que à skip c'est important. Mais on m'a dit que le jeu était va vraiment. Et à un moment, le jeu va devenir corsé quoi. Donc j'ai peur en fait. En vrai, oui. Ça, c'est un banger transformation. Ça, vous avez vu, mes vieux démons reviennent. Hein. J'étais à deux doigts de chercher le lait. Hein. Premier niveau fait. Je suis hype. Mais moi, c'est ça que j'aime bien dans les jeux vidéo. Ma phase préférée, c'est la phase de découverte. Et il y a que de la découverte. Je connais pas le jeu. Du coup, je fais que bander en fait. J'essaye un maximum de déjà aller dans tous les trous. Enfin. Trouver le maximum de grosses pièces. Oh, what the fuck? Pour parce que on peut vraiment les utiliser, genre c'est de la monnaie. Mais c'est un peu comme les Donkey Kong. Et ça, je trouve ça très stylé. Très intelligent de leur part. Bon, au début, je pense qu'il y a pas mal de Yoshi parce que c'est l'île Yoshi. En vrai, c'est cool qu'il y ait plein de couleurs de Yoshi. Yoshi noir! Non, mais moi, je veux trop un Yoshi noir, hein. C'est vrai. Hein. Yoshi noir! Voilà, regardez. Chop! Et ça, j'ai vu ça dans les images et j'étais ahuri. Genre, on peut... les pièces étoiles servent à quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas besoin de transfo. Mais ça devrait être dans le jeu de base. Hein. Je suis désolé, mais ça, c'est une idée tellement... En plus, ils le font dans Donkey Kong. Donc, pourquoi ils le font pas dans Mario? Oh non. Par contre, les mondes de l'eau, je suis tellement allergique. La mécanique de nager, je l'ai pas. Ah! Mais je savais pas qu'ils craignaient pas le froid, frère. Ok. Non mais j'ai fait exprès d'être petit pour faire ça. J'ai fait exprès d'avoir 0 sur 20. Oh putain, soit on a un premier monde de Bowsy. Non venez, on fait d'abord celui-là. Fais d'abord celui-là, un peu de sérieux. Oh non. J'ai un traumatisme par rapport à ma vidéo No Power Up. Il tombe sur moi. Je peux rien faire. Mais sérieusement, arrête de danser. Arrête de danser, arrête de zooker. Tu arrêtes de zooker, t'es un mob, t'es un méchant. Alors maintenant tu arrêtes de zooker. Il suicide. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il résiste. Oh putain, j'ai tout merdé. Non. Ok, hop. Oh, y'a rien. Ok, là je l'ai, j'ai. J'ai la mécanique. J'ai la mécanique qui consiste à hop. Quoi? Mais là y'a un truc qui monte là. Je sais pas, tant pis, un mystérieux boule de gomme comme on dit. Ah! Ok, de toute façon je l'ai vu. Quoi vraiment? Vous l'avez vu? Là? Alors, vu, je pense pas. Vous avez peut-être deviné, mais la voir, je pense que c'est littéralement impossible quoi. Alors, le problème étant que. Ouais, non, ça je régale. Là je régale, voilà. Je suis un pro donc forcément je régale avec du gameplay. C'est mon métier, c'est un métier. Allez, monde de Bowsy. Enfin non, c'est plutôt une tour d'ailleurs. Essayez de reprendre le gameplay d'autres jeux Mario. Moi je les bute tous, hein. Je vous le dis cash. Et si je suis pas là pour me faire des. Oh là là, on peut sprinter. Par contre, la musique est démoniaque quoi. La musique est vraiment démoniaque. J'ai l'impression parfois d'être un pro gamer, je suis désolé mais. Je me demande ce sera qui le boss. Est-ce que ce sera le truc du trailer ou est-ce que ce sera le truc. Ah non. Quand je bute ça moi. Je lance cette merde hein, j'imagine. Ah non. Ça lui fait du dégât là. Ah oui oui. Aïe. Merde. Mais waouh. Ah j'ai gagné. J'ai spammé hein. J'ai spammé comme un yinche et c'est passé. Putain c'est un niveau de l'eau. Moi je suis allergique au niveau de l'eau putain. Je suis allergique au niveau de l'eau. J'ai un problème avec ça. Ah non c'est pas un niveau de l'eau. Oh un niveau sur un pont. Attends j'aurais peut-être dû aller en bas parce que peut-être qu'en bas il y a la pièce étoile. De ce que je vois il y a rien. Oh le banger.
Oh non, là le niveau est trop incroyable. Là le niveau est trop incroyable. Là, là c'est vraiment... Ils exploitent tellement bien la transformation. Ah ! Le niveau est bien. Le niveau est bien. Genre... Est bien. Ah ! Ah ! Oh ! Mais non. Ça... Oh là là. Là. Non mais... Ça c'est fou. J'avoue que ça, ça rendait les niveaux de l'eau bien, genre. Le pingouin grotesque. Pingouin. Cette transformation là. Sous-côté. Oh là là. C'est un banger. Encore une fois. Ok, je sais qu'il y a un truc à gauche, c'est évident. Ok, 1, 2. Putain, c'est trop dur. Oh là là. Non. J'y étais tellement. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Oh. Non. Oh. Putain, mais oui, mais. Ouais, bah écoutez. Non, mais. Moi, les lianes, ça me connaît, hein. Ça avance. Ça avance. Airship. Oh, what? Oh, j'ai eu l'œil. Oh, j'ai eu l'œil. C'est quoi ça? Putain. Oh, j'ai chié dans la colle. Oh, j'ai méga chié. Hein? Comment on est censé la voir? Oh, putain, il faut que j'ai une transformation. Genre, je tue la plante, quoi. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Non. Non, non, non. Pitié. Ow! Je vais passer avec un champignon de base. Comme ça, j'aurai une transformation. Easy. Je suis désolé, Iggy, mais t'es au chômage, mec. Vraiment, fraude, hein. Au bout d'une heure, du coup, on a fini le premier monde. What the fuck? Ah ouais, je nage carrément jusqu'à un autre continent. Oh non. Hein? Ouais, là, il y a un truc au-dessus, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'était sûr. C'est quoi ce gros tuyau, là? Oh là là, mais regardez, les... Franchement, c'est bien fait, hein. L'eau qui coule et tout, là, des tuyaux, Bonsoir, oui. Wow. Comment est-ce que je suis censé aller là-haut? Oh putain, mais leur bloc. Oh là 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 là. Non, mais ça, c'est très grave. Hein. Ok, là, il va avoir une pièce. Étoile? Non. Oh, d'accord, ok, elle est là. Vraiment, les niveaux sont stylés, hein, par contre. Ok. FDP? Oula. Oula, oula. Non, non, il faudrait pas que je meure là. Hein. On va faire la salope. Oh! Wow! Ça, c'est dans quel jeu? Wow! Et en vrai, le jeu il commence déjà à être assez technique. Hein. Je me demande, genre, si un. Si vraiment un mec qui a jamais joué aux jeux vidéo là, il ferait ce niveau aussi facilement que moi. Mais je suis trop fort. Un boss tomb. What the fuck? Mais comment je bats ça? Genre, je le fais tomber dans le vide? Quoi? Oh, l'idée est un banger! C'est ça? Ok. Pas mal. Attends, on est dans un autre monde là? Pourquoi il y a des cactus? Non! Non! What the fuck? Wow, ça va trop vite là! En haut ou en bas? En bas, en bas. Toujours en bas. Oh, il fallait en haut? Non, il fallait en bas! Yes! Smart, smart, évidemment. Évidemment, tout le monde aurait choisi en haut parce qu'ils auraient paniqué à cause de la vitesse. Moi, je panique pas, moi. Carrément, je prends la vie. Attends, mais du coup, c'est un niveau bonus ou pas là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ah oui, d'accord, c'est un shortcut en fait. Ah, ça, c'est le château. Oh là là, le château, genre, c'est une pyramide et tout. Sympa, hein. What the fuck? On dirait le soleil. Enfin, on dirait la lune, mais du coup, en version soleil de Majora's Mask. L'image était si déplaisante. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais, dégage. What? Je connais pas ces mouvements. Ah, il y avait un trempeau. Je peux le taper ou pas? Moi, j'ai envie de le tabasser, le soleil. Hein. En fait, c'est un lac qui tue, mais en plus méchant, quoi. Mais il y a tellement de niveaux, c'est un truc de ouf, quand même. Wow, il y a du vent. Ok. Faut que je... Ah, ah. Ouf. Mais elles sont dures, les... Non, mais pas facile, là. En vrai, en 2 heures, j'ai même pas fini le monde 2, c'est... Oh non. 1, 2, 3, but. Action but, comme dirait Thierry Henry. Désert music house. C'est quoi ça? C'est quoi une music house? Touche les blocs, hein. Ok. La musique, what the fuck? Wow! Je m'en souviens plus. Ok, j'ai. Tink. Quoi? Tink. Sui. Alors, c'est qui le boss? C'est qui le boss? Attends, quoi? J'ai vu des monstres jaunes? Ah non, moi, les jaunes, je peux pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Le temps est arrêté? What? C'est trop stylé. What is this? The meal? Oh! Faut que je passe en dessous? Je crois pas. Trop stylé? Ah! Ok, là, il y a forcément une transformation. J'ai joué à Mario, donc il n'y a pas de transformation. Quel sera le boss de ce monde? Ah ben on le sait déjà, c'est le truc chelou là, c'est le tombe. Ok, on va le faire tomber ici. Hein. Le tombe n'est pas... Alors, l'idée est bonne, mais... Voilà quoi, dehors. Hein? Il est un peu con quoi sur les bords, le tombe. Voilà. Quoi? Oula, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la dé de ouf. Ouais, mais là, il reste encore un caca là en bas. Oh!
Oh merde, 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 merde. Bah Dieu en fait. Merde. Non, non, je vais pas mourir. Mais non, 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 c'est pas possible. Mais merde. Voilà. Dehors. Sand ship. Oui, on va. Oh, jure, lui. Lui c'est d'or. Non mais lui c'est d'or. Je vous le dis cash. Oui, il s'appelle Roy. Moi je l'aime bien Roy. Enfin, genre je joue banal sur Mario Kart quoi. Non mais ça le pire quoi. Mais il est trop stylé, il a des lunettes de soleil. C'est ça le nouveau monde. J'arrive même pas à savoir qu'est-ce que c'est que ce biome. C'est sympa le biome. J'arrive même pas à savoir c'est quoi. C'est genre une montagne moche. Enfin une montagne de caca. Nouvelle transformation. Marteau-man. Ah, je peux lancer deux marteaux. Oh, c'est les frères. Zarma, ils vont tuer leur frère là. J'ai du mal hein. C'est effrayant là ce qui m'arrive. Merde. Putain mais je rate. Je commence à tomber dans mes vieux démons. Pour le coup les taupes, je déteste vraiment ça. Ça fait longtemps. Oh non sérieusement là. Non te suicide pas putain. Il s'est suicidé. Est-ce que je peux le geler? Non. Ça, je pensais que j'allais rebondir. Yes, un rose. J'ai failli t'abandonner, Yoshi. Je te le dis cash. C'était soit toi, soit moi. Hein. Ah! Butterwood Crossing. Oh putain de merde. Je me fais de plus en plus toucher, hein. C'était pas un mal. Wow! Wow. La chatte? Oh, parfois, j'ai quand même une grosse chatte, hein. Barre-toi! Oh non! Putain. Mais j'aime trop chier dans la colle. C'est ça mon truc, en fait. Tout était bien, quoi. Oula. Alors là! Ok. Ouais! Ouais. Pas besoin de transformation ici. Winnable. Sui. Genre, les fangames... Les... De toute façon, genre... Oula. Non, mais je suis une merde. J'arrive pas à viser le trou. Oh putain, c'est le boss, là. Attends. C'est le boss et je suis petit. Oh, ok, ça va. Ça sentait le bloc caché. C'est qui? J'ai pas vu. Ah, c'est une taupe. Non, mais les taupes, c'est finito, hein. Oh putain. Putain, je suis petit, je suis dans la merde. Pourquoi il lance que d'un côté? Putain, il lance aléatoirement. On peut... Il a pas de pattern, en fait. Nintendo, quoi? Il est mort. Il est mort. C'est un niveau de l'eau quoi, bordel. Oh putain, lui c'est mon angoisse. Lui qui te mange, c'est horrible. Je vais mourir là. Je peux pas le tuer? Ah si, ok. What? Il donne 2 champignons? 3? What? Mais il est trop fort en vrai. Oh non. Oh putain. Oh, c'est mon Némésis. Ok, je tryhard cette fois-ci. Ok, pour une fleur de feu. Rouge. Waouh. J'ai plus. Rouge. Bleu. Rouge. Orange ou violet? Orange? Violet! Non! Si! Ok, un marteau! Bleu! Bleu, bleu! Rouge! Oh, jaune! Vert! Bleu! Ouah, je l'ai pas! Bleu! Vert! Et bleu ou rouge déjà? Bleu? Merde! Ok, une fleur de glace! Rouge! Bleu! Rouge! Orange! Violet! Ça, je l'ai! Rouge! Ah, mais quel bleu? Bleu! Rouge, orange, violet. C'est win ça. C'est pas facile hein. Ok, un autre vraiment. Ok, bleu, bleu, rouge, jaune, vert, rouge, bleu. Ok, bleu, bleu, bleu ou jaune. Oh merde. Merde. Franchement, c'est mon Némésis hein. Ça, c'est clairement mon Némésis hein. Viens par là, toi. Viens par là. Viens par là. Ah ok, j'ai compris. En fait il faut le... Ok. Viens. Hein. Ok, la prochaine c'est la bonne. C'est mort en fait. Bah oui. Non mais je connais les jeux Mario. De toute façon Mario Foot, il y aura forcément des vidéos. Non, si je meurs maintenant ce serait horrible. Mentalement ce serait horrible. Je me cache. Il tire jamais ici, c'est un angle mort. Dehors. C'est qui là? Ça va être Wendy non? Je crois que le bateau c'était Wendy hein. Wendy avec ses grosses fesses. C'est Morton. Oh mais Morton, mange mes boules hein. Mange mes boules Morton. Morton c'est un des plus stylés. Si vous aimez pas Morton, c'est vous le problème. Oh putain. Putain mais j'ai joué comme un bourrin hein, vraiment. Nouveau monde. Oh. What the fuck. Il est japonais là ce monde. Sakura Village. Il est japonais là. Oh le banger. Ils ont même pas spoil ça. Oh le banger. Non c'est un banger. Ah, je suis désolé, c'est un banger. Ah non. Avec des masques et tout. Ah non, moi c'est oui, hein. Et on fait quoi avec eux? Ok, on les tue en 2 fois. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Hein. En tant que bandeur numéro 1 du Japon, c'est incroyable. Même là, qu'on puisse grapper les bambous. Les bambous là, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est cool. Par contre, les masques, ils ont pas l'air d'être méchants. Donc, pourquoi je les tue? Vous vous rendez compte? Oh, attendez, non, Domo. Regardez. Non, c'est trop stylé. Non, mais moi, je suis un bandeur du Japon et je trouve ça stylé.
Genre on peut pas aller sur la plateforme là. Mais c'est trop stylé là, je suis désolé. Le Japon dans Mario, c'est oui. Le Mario dans Japon, le Japon dans le Mario, le... C'est oui. Ah oui mais là c'est que là. Oh non. Mais les frères sont racistes hein, vraiment. Je le dis haut et fort hein, les frères Marteau sont racistes les gars. Putain mais les masques quoi. Quelle bande d'enculés. Non mais je le dis voilà. J'hésitais. Non mais je l'avais sur le bout de la langue. Mec a pas le timing, tu sais. On y retourne. J'aimerais bien voir le marteau en fait. Genre le marteau me rend heureux. Ça fait partie de... Merde. J'aurais jamais le marteau hein. Mais what. Spaghetti. Il est vraiment spaghetti, par contre. Qu'on me la fasse pas à moi. Je fais italien pendant 4 ans et un mensonge. Mais dis spaghetti. Est-ce qu'on a fait ce niveau là? En fait, j'aimerais bien avoir le shop pour acheter des choses. Parce que là, ça commence à être dur. J'aimerais bien avoir des transformations en plus. Oh, les bambous. Oh, le grand bambou. Wow. Non, mais moi, les niveaux de l'eau, c'est ma hantise en fait. C'est win. C'est juste win. Petite fleur de feu et on y va. Oh, wow. Je suis japonais. Domo. Je suis japonais. En vrai, c'est vraiment trop stylé, hein. Je suis japonais. Oula. Ça a pas l'air super simple. Mais putain. Avec ces boules, là. Mais putain. Elle me... Mais... Elle me tombe dessus, ces boules. Ces boules me tombent dessus. What the fuck. Des bouddhas. Kamak. Qui devient quoi. What. Wow. Il a quel souffle. Il a tué Kamak. Oh, putain. C'est donc lui le vrai méchant des jeux Mario. Putain mais il a le souffle du Sakura. Si. Par contre c'est, je pense que c'est le boss le plus stylé qu'on a eu depuis le début non. Ah oh, mais d'accord. Carrément on est dans un village là. Oh mais je dis tellement oui à ce niveau par contre. Oh non. Est-ce qu'on peut les porter eux? Non ils sont trop fat. Ok là il faut que je prenne tout ça dans le temps imparti. Vite. Je pue la merde. Oh, je suis pile dans le temps. À moi les objets. Oh pingouin. Ça c'est un banger ça pingouin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends rien là ce qui se passe. Oh non non non. Oh non les énigmes moi je déteste hein. Ah non, j'utilise pas mon cerveau, hein. Ah ok, non, c'est juste des nouvelles choses. Ok, ok. Waouh. Oh, c'est immonde. Alors là, la pluie, j'imagine déjà que genre le live est pixelisé de fou parce qu'il y a trop d'informations à l'écran. Enfin, moi, c'est beau pour moi, hein. Arrête. J'ai foiré, là. Non. Oh non. Oh putain. Oh non. Allez, je me concentre. Pour un champignon. Jaune. Rouge. Jaune. Rouge. Jaune. Bleu. Yes. Ok, une hélice. Rouge, bleu, jaune. Oh non, merde, j'ai pas écouté la première. C'est allé trop vite. Oh. Non. Ok, fleur de glace. Rouge. Ouais, je bah va plus vite, connard. Ah. Mais c'est des bâtards, là. Rouge. Yes. C'est pas facile hein. Oh c'est déjà le monde de Bowsy. Le connard. Donc là il va encore se faire tuer. Mais c'est fou de se faire tuer quand même. Après là c'est bon maintenant je le maîtrise on va le baiser lui. Voilà. Waouh. Il appartient à qui le château samouraï. Quel coup à Links pour être un samouraï. C'est les 1000 samouraïs. Cette fraude avec ces ballons là. Mais en fait eux c'est des fraudes hein. Eux s'ils ont pas Kama qui les rend gros. Oh ok. C'est dehors. C'est dehors les 1000. D'où l'émi samouraï, je comprends pas. Snowfield Tundra. Oh. Je slide. Quoi? D'où il me bat au slide? Comment il est lent mon slide? Oh non. Oh. Oh. Putain mais c'est boule. Et ça glisse en fait. Bah non mais pas maintenant. Ils sont racistes. Voilà je le dis. Ils sont racistes. Les pingouins sont racistes. Chapitre 1. Je vais développer. Pourquoi est-ce que les pingouins sont racistes? Déjà, bizarre. Je suis un pingouin d'une autre couleur, il commence à me taper. C'est bizarre. Non mais, c'est bizarre. Je dis juste que c'est bizarre, genre. Après, j'ai une théorie sur les pingouins. Peut-être qu'ils sont genre aveugles, non? Genre, dès qu'on leur enlève leurs lunettes, ils voient plus rien. Mais du coup, c'est pas aveugle, vu qu'ils voyaient déjà de base. Oh là là. En vrai, monde de neige, j'aime bien. Enfin, surtout les déserts que j'aime pas. Oh, il a un manteau. Oh, j'aime trop. Ah non, là, les manteaux, c'est trop pour moi. Hein. Est-ce que je peux manger leurs boules ou pas? Non, leurs boules sont trop grosses. Crève. Ok, là s'il n'y a pas une plante, je suce un mec du chat. Ok. Non, je vous le dis. Là, s'il n'y a pas de plante, c'est chelou. C'est même weird. Ça doit être un bug. Attendez.
Attendez, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Non. Oh, 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 oh. Alors, je suis vraiment trop chaud. Hein. Oh, let's go, un pingouin. Comment tu les gros? Enfin, oula. Est-ce que vous pensez que si je glisse, je peux tuer le gros? Ah non. J'aime trop les bonhommes de neige comme ça. Mais ils ont l'air gentils, genre. Ah merde! Ah, mais en fait, c'est une chenille neige. Je suis en train de me rendre compte. Pétade! Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un autre truc et je me suis vraiment retenu parce que j'étais en train de dire P. Il allait se passer quelque chose. Il allait se passer l'inacceptable en fait. Hein. Le mot interdit, mais on s'est rattrapé comme il le fallait. Donc il n'y avait pas genre tous les outils pour. Oula, 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 je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah! Je suis mort. Bon. Oh! Ah, j'ai eu zéro pièce dans ce niveau. Hein. Merde. Oh. Oh putain, j'ai même pas exprès. Mais ça, c'est Chibrax, ça me font peur. Hein. Mais putain! C'était trop long. Concentration. Non, mais là, c'est bon. Au bout d'un moment. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, ça a pris des proportions tellement énormes. Genre, ah. Ok, la pensée ferme. Wow, le feu et l'eau. C'est quoi ce miel? What? Mais comment je suis censé battre ça, moi? Un Yoshi? Je mange leur boule et je leur envoie. Oh, le banger. C'est trop bien. C'est trop bien, un boss avec un Yoshi. Porte les flammes bleues. Encore une fois, je suis en bandeur des flammes bleues, moi. Ah, ah. Mais du coup, il se passe quoi quand je tuerai l'un en premier, vu que je dois nécessairement en avoir un pour pouvoir tuer l'autre, non? Ah non, il était stylé. Le boss est stylé. Oh, de la glace enflammée, quoi. La glace sur un volcan. Est-ce que les Yoshi glissent, d'ailleurs, sur la glace? Ouais, ils glissent. Okay. Ils glissent bien comme il faut. Waouh. Ah. Ok, j'ai une idée. En gros, je vais avoir ça dans mon ventre. Et en gros, je vais lancer... Enfin, bref. Genre, hop, 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 hop. Oh, Yoshi vert. C'est l'originel. Vous pensez c'est le vrai? Vous pensez, genre, il m'aime moi? Je suis ému, là. Je suis trop bête. Oh non, pas un Yoshi bleu. Je déteste les bleus, moi. Oh non, oh putain, oh bordel de merde. Je sais pas ce qui va se passer avec, ce qui s'est passé avec Yoshi, mais... C'était pas l'original, les gars. Ouais, carrément, j'arrête la truc. Non mais, je me suis dit, ok, alors attends, attends. Bonsoir, étoile. Mais je suis trop fort. Non mais en fait, moi, c'est tout rien. C'est tout rien. Et là, on a eu du tout, on a eu du tout. Qu'est-ce qui se passe? On va dans un volcan? Oui, d'accord, on va dans un volcan, là. Oh, il y a beaucoup de... il y a quand même beaucoup de monde par niveau. Non, non, là, combien de monde? Combien, là? 8. D'habitude, 8, genre, c'est le truc de Bowser. Magma Iceboro. Je slide, je slide, je slide, je slide. Je m'arrête pas dans slide. Bye. Slide. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... J'arrive pas à toucher. Vous n'avez rien vu. C'est tout? Non. Ah non, ok, là, il faut que j'en profite vite pour... Ok, 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 ok. J'ai slidé. J'ai slidé. Attends, quoi? J'ai pas débloqué le monde de la musique? Non, mais moi, je veux la musique, hein. Ah non, non, moi, je veux de la musique 100%. Mais d'où, eux, ils slident mieux que moi? Genre, ils ont fait une formation de slide? Ils ont quoi? Ils slident à chaque fois mieux que moi. Genre, en 1v1 pur de slide, ils me battent. Ok. Cette fois-ci, je vais prendre ma revanche. La musique house, on va voir. Ok, fleur de glace. Rouge, rouge, orange. Yes! Il allait vite, celui-là. Ok, pingouin. Orange, rouge, orange, rouge. Orange, rouge, orange, rouge. Il y avait vert ou bleu. Ça allait vite là. Ça allait vite de baiser. Merde! Ok, marteau. Rouge, rouge, orange. Ok, oh, c'est le truc du début. Bah alors, on a plus d'inspi. Ça, ça va, le truc du début, je l'ai. Orange, rouge, orange. Orange, rouge, orange, rouge. Donc ça, c'est bon. Et là, il y a un truc ici. Oh! C'est trop dur, ça. Hein. Ça, c'est trop dur. Hein. Ok, donc là, il y a les bites et les boules. Oh, et en plus, c'est de l'eau. Ok, là, il y a la bite. Oh, on doit être pingouin. C'est rare d'être pingouin dans un Bowsy. On esquive la bite, évidemment. Même si on aime bien ça, hein. On va faire refroidir. Voilà. Bah, voilà. Bah oui, bah oui, bah oui, mais oui, mais oui. Bah oui. Bah oui! Bah oui! Putain! Oula, 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 oula. Ah, merde! Franchement, la bite sort trop vite. La bite sort trop vite, je n'arrive pas à l'esquiver. Elle est trop dure en fait. C'est win, on est contre les éléments là. On envoie contre lui, on envoie contre lui, on envoie contre lui. Ok, j'ai le timing. Oh là là, mais non, mais vraiment, leurs boules de feu sont trop puissantes. Hein. Alors comme ça, personne peut éteindre la boule. C'est vrai quand même, c'est vraiment un monde de boules hein, qu'on y pense. Là, il y a encore des boules. Dehors. Ok, qui va être le Koopa Lynx du bateau enneigé? J'en ai aucune idée. Je prends l'hélicoptère. Je prends l'hélicoptère, on va trouver le les problèmes ont leur solution. Et là, la solution, voilà, c'est de rush. Ah, jeu, ils sont à tête chercheuse. Ça, ça existe pas dans le jeu de base. Mais oui. Ah, c'est Wendy, la pute. Pardon, là, non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les mots ont dépassé ma pensée. Faut juste que je la tue, là. Ok, je suis petit, hein, faut que je fasse gaffe, hein, parce que Wendy, pour l'instant, ça va. Wendy est plutôt gérée, avec ses onion rings, là, je sais pas ce qu'elle a. Que caches-tu? Derrière ton sourire. C'est win.
ces onion rings là. Alors, prochain monde, qu'est-ce que ça va être? C'est le monde Halloween. Le monde Halloween est un tétra-banger. Vraiment. Ah non, bon, c'est un peu encore de la glace et après... Oula, faut que je fasse gaffe aux boules. De toute façon, je suis juste les pièces. Oula. Ok, bah les pièces, allez vous faire... En fait, j'aurais bien aimé un pingouin une dernière fois. Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. On est dans le monde. Oh là là, l'ambiance. Attends, là, il y a un embranchement là. Bah oui, tu veux la faire à qui? Oh là là, dans un cimetière. Lugubre le niveau. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Attends, je suis en train de piller des tombes. Ah mais oui, depuis tout à l'heure, je suis en train de piller des tombes en fait. J'avais même pas remarqué, genre. Je faisais ça banal, hein. Oh putain, carrément, genre fake. Attends, mais eux, c'est pas des bouts vu qu'ils craignent les flammes et tout. Tout semble indiquer que c'est. Ouais, je me suis dit, c'était un speedrun. Oh, un truc de défi. Challenge house. Avec mes potes, on était à la house. Attendez, j'ai 30 secondes pour tout ramasser, donc... Ok, j'ai chié. C'est oui. Vous voyez pas le temps, mais là, il me reste 10 secondes. Voilà, c'est bon. On a eu un délire avec toute la house. Sympa, mais oui, mais voilà. Est-ce que ça tue les bouts? Oh, ça tue les bouts? Le marteau tue les bouts, les gars. Oh, je sais pas du tout où je dois aller. Putain! Tout ce que je voulais pas qu'il arrive, est arrivé. Je me suicide. Je me suicide, je tue tous les bouts et j'aurai cette pièce. Et c'est pas simple hein, de viser avec les marteaux. Hein. Bon, là, je suis un boss, mais. Est-ce que les gars, c'est canon? Genre que les bouts soient des morts, vraiment? Ça veut dire que c'est des fantômes de quoi? Faire. Théorie, c'est les vies perdues de Mario. What? Tu penses que Mario s'éteint tout seul? Je pense que c'est une théorie à rejeter. Voilà, moi, je l'ai rejetée. T'en fais ce que tu veux, mais la théorie est rejetée. Ok? Oula. Ah! Ah! La vie est dure, en fait. La vie est dure en tant que Mario. De toute façon, Mario, les gars, il a un vrai background. Mario, il a un background de fou. À la base, il voulait pas faire plombier, il voulait faire ingénieur. Genre, je sais plus, il a fait une prépa maths, un truc comme ça. Mais j'ai inventé un bug, là. Oh, c'est les backrooms. Putain, et voilà. Et en gros, en fait, il voulait être ingénieur, Mario. Et vraiment, vraiment, ce qui vient de se passer, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie histoire. C'est en gros, il a traversé le mur, genre. Et il était dans une pièce. Et genre, avec plusieurs niveaux, etc. Il y avait des monstres et tout. Et c'était les backrooms. Mais je vous le dis les gars, croyez-moi ou non, mais... Je pense que de toute l'histoire du jeu, je suis le premier à avoir découvert ce bug. Ce qui est un peu émouvant, hein. C'est-à-dire que voilà. Je peux pas, je suis trop petit en fait. Quoi? Les méchants, c'est des lumières. Ah non, ok, c'est un gros bout. Pars-toi! Il faut que je gagne du terrain? Mais jusqu'à où, genre? Mais il a mal là, j'avance, genre? Dehors! Dehors! Non, mais ce fan game là, je suis à deux doigts de dire qu'il est mieux que l'original. Oh, la lune de Majora's Mask, what the fuck? C'est pas vraiment elle, mais ça en a tout l'air. Oh putain! Oh le bâtard! Ok, c'est pas mon métier. Boss! Attends, mais ce monde il est petit hein, comparé à celui de glace. En même temps, je veux dire, un thème. Genre le thème des bouts. Dehors. Ouais, mais là, je suis devenu trop fort, mon gars. Waouh! Mais t'as beau rajouter des pics, mon gars, c'est. Waouh! Mais wesh! Ça n'a aucun sens! Quoi? Je perds du terrain! C'est win! That's win, man! That's win, ok? En tête musique. Ok. Là, ok, c'est mon main game. C'est mon main game, celle-là. Putain. Merde! Non! Bleu. C'est tellement pas mon main game, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Mais non, ils ont fait un monde masquasse. Ça, c'est un banger concept. Hein. Un monde masquasse, ça, c'est bien. Ça. Wow. T'as les masquasses, mais quelle idée de fou. Pourquoi les masquasses sont pas dans le jeu de base hein? Ça m'empêche vraiment de dormir. Et c'est ça le problème. Waouh, on est où là? Je suis dans l'espace, wesh. Je vole. What the fuck? Attends, on va dans l'espace là? Je vais toujours plus haut là depuis tout à l'heure. Waouh, où est-ce que je vais? Mais non, on est dans un monde espace. Oh le banger. Allez, on en fait quand même un. What? On saute méga haut et tout. Mais il est trop bien le jeu. Trop stylé. Putain, mais en vrai, la transition des mondes, je trouve ça trop stylé. Hein. Genre qu'on finit sur le futur monde qu'on a, quoi. Bon, après, c'est le premier. Donc, c'est normal qu'il soit. Ah, c'est simple! Et encore. Yo, Big Noob. What the fuck? Comment ça, Yo, Big Noob? Comment ça, c'est pas mon surnom, moi, c'est. Je suis un pro. Je suis pas un noob. Je suis grave pas un noob. Enfin, je comprends pas où on dit ça. Ok. Bah, je vais mourir, en fait. Attends, je peux pas le faire. Oula. Après, on m'a dit qu'il était vraiment loin. Hein. Mais bon, il y en a, ils ont dit. Ah! Non. Non! Complexe la gravité, complexe. La gravity. Ok, premier monde de Bowsy. Oh putain! Ça, c'est des nouveaux mobs par exemple. Pokémon. Mais what? Mais je suis gaze à ce point-là? Merde, non. Là, je chie dans la colle. Je méga chie dans la colle. Putain, ça me saoule. Ok, bon, au moins j'ai ça. Ok. Ça, c'est vraiment pas simple, hein.
fasse ça. Wow. Doucement. Du coup, comment je suis censé le pousser? Non. Ah. Ah, comme ça? Ah d'accord, on le pousse normalement. Du coup, il faut juste pas que je saute, quoi. Ah merde! Parfois il attaque. Ouah, wow, je suis une merde. Mais non. Par contre, ce niveau-là, il est vraiment pas facile, genre. Là, je suis en train de me rendre compte de la difficulté qui commence à augmenter d'un coup, genre. Let's go! Ceinture d'astéroïdes. Ok, donc là, je peux sauter ici. Ok, c'est dur. Y a pas à faire des niveaux durs comme ça. La gravité est vraiment spéciale, hein. C'est dommage que la musique, là, soit pas si incroyable que ça, genre. Parce qu'il y a un potentiel, hein. Oh non, je savais pas, frère. Non, sérieusement, là. Ouah, wow, non, mais là, je suis à mon unprime. Je suis à mon flop. J'aime bien le niveau, hein, par contre. J'aime bien le niveau, hein. J'aime bien le monde. Wow. Y a pas à devenir dur d'un coup, genre, le jeu. Genre, là, ça commence à être touchy. Ouais, j'utilise le terme touchy, ouais. Le vieux fond pète. Pourquoi j'ai eu le message? Oh, vous voulez m'éteindre. Est-ce qu'on peut les glacer ou pas les... Je sais même pas si c'est des hommes ou des femmes. Hop. Non, mais sérieux là? Allez, on passe à autre chose, il s'est rien passé. Oh. Ok. Là, il y a un tuyau. Ouah. Comment est-ce qu'on va dans le noir? Mais c'est méga dur. Oh oui. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais je le fais pour, évidemment, la science. Ok. Ah d'accord, je suis une salope en fait. Bah ouais, bah je me barre, je panique. Oh non. Ok, donc là maintenant les carrés bleus deviennent solides. Bah ça va changer grand chose, mais en tout cas merci. Non. Sérieusement là? Ce niveau va m'empêcher de dormir en fait. Le problème c'est que j'ai besoin de sommeil quoi. Mais cette gravité, j'arrive pas à m'y faire en fait. Ouf. Si proche du bonheur. Wow. Mais saute. Heureusement j'ai cette transformation. C'est win. Bah ouais, bah c'est juste win en fait. C'est pas grave, c'est win quand même. Mais qu'est-ce que je branle? Mais là, les gars, je vous jure que la Ulavity, pas simple, hein. Non, mais non, là il faut que j'aille me faire foutre. Ah! C'est vraiment pas facile, hein. Spin Top Nebula, on fait des cauchemars, hein. On veut dire que je vais en faire des cauchemars de STEM. Oh, je panique, tant pis. Honnêtement, la panique a parlé et elle a dit Non, arrête. Arrête tes bêtises. Arrête! Ok, ça va. Bon, j'ai vu le tuyau noir. On va prendre le tuyau. Je suis curieux. Je suis sous curiosité. Oula. Attends. Mais c'est quoi cet univers là? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'emmène là-bas? Ah, je suis obligé d'y aller, genre! C'est un up! J'ai perdu 400 up dans ce niveau, mais j'en ai eu un à la fin, donc c'est worse. Challenge House. C'est quoi déjà Challenge House? Ah, c'est pas genre juste prendre les étoiles là? Ça, c'est assez rapide. Ça, les Challenge House, c'est dehors même. Ouais, je dis le terme dehors. Ok. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai combien de temps? 20 secondes? Non, mais je pue la merde. Bah. Allez. Oh, y'a un shop! Les shops, c'est extrêmement important. Ah, c'est ça? Ça, c'est trop beau, hein. Oh là là, mais c'est une masterclass. Franchement, là, je trouve le niveau, mais absolument sublime. Putain, j'ai l'habitude du gros saut. J'ai vraiment l'habitude du gros saut. Genre, là, je pensais que j'allais, genre, sauter et aller à gauche, quoi. C'est extrêmement perturbant, hein. Ah! Oh! C'est win! Non. On a pas débloqué le shop là? Le shop? Allô? Oh si, on a le shop. Qu'est-ce qu'ils vendent? Oh! Ils vendent des frères Marthe? Pour 8 balles? Franchement, j'achète. C'est un très bon shop. Oh! Je pense que là c'est mieux. Je pense que je. Bizarre, hein, mais je serai plus à l'aise. Effrayant ce qui vient de se passer. C'est à la limite du paranormal. Tellement c'est paranormal, on pourrait croire que le PSG s'est fait éliminer par le Real. Alors qu'ils ont gagné 3 mi-temps. Pour vous dire, non mais. Tellement que c'est paranormal, hein. Oh, c'est mignon ici. Oh, une étoile. Rari. J'arrive à toucher aucun ennemi en fait. En vrai, de toute façon, moi j'aime pas. Oh, mais moi j'aime pas, hein. Vraiment des gens qui aiment cette transformation. Genre, j'aime pas faire des saltos. Genre, voilà. Monde de Bowsy. Donc techniquement, monde final de ce. De ce monde en fait. Oh, boss. Ok, pour l'instant il est gaze. Tant qu'il attaque pas, il est gaze, hein. Moi je le dis. Faut juste le pousser, voilà. Alors l'idée est bonne de ce boss, mais une fois que t'as compris, franchement, il est finito, hein. Genre finito. Mais sérieux tout, ça fait une pause. Oh. Merde. Putain, je perds des vies, hein. Oh, Je vais le faire, putain. C'est Ludwig. Ludwig, je suis désolé. Non mais, Ludwig est vraiment finito, par contre, hein. En vrai, il est pas si nul que ça, hein. Putain! Je ne recommencerai pas ce niveau du début. Je pourrais pas contre cette fraude. Ah! Oh là là là, chat qu'il a. Mais j'arrive pas, hein. Ludwig, franchement, t'es trop fort pour moi. Ludwig, tu es mon némésis. Avec tes boules, avec tout ça là.
Ok, c'est bon, c'est win, c'est win, c'est win. C'est win, c'est tellement win. Je suis passé en mode tryhard, mais là, vraiment c'est win. Je l'ai perfect carrément. Carrément, je l'ai perfect. Nouveau monde. Qu'est-ce que ça va être? Bataille Frontier. C'est le dernier monde, non, du coup? De l'histoire, en tout cas. Je crois pour l'histoire, il y a 8 mondes. Oh, la musique. C'est la musique de Mario 64, ça. Bah, attends, ça m'a one shot alors que je suis glace. Je me rappelle quand on était au Japon avec les petites fleurs de Sakura, on s'amusait bien, genre. On était heureux. Là, il y a 10 000 trucs à l'écran, genre. Mais genre, abusé. Mais c'est le premier niveau, hein, du monde de Bowser, hein. En tout cas, le jeu ne démérite pas sa réputation. On m'a dit qu'il était dur. Franchement, oui. Ok, j'ai réussi à l'avoir. Mais regardez, tout ce que je dois esquiver à la seconde. Il faut doser là. Oh, sérieusement, mais dose, cousin. Bah oui, bah mec, regarde. Non mais là, il y a 5 objets différents qui m'attaquent sur l'écran. Genre de mort. C'est de dinguerie. Ouais. Mais non, mais non, mais mec. J'ai même l'impression que mon temps d'invincibilité, il est réduit, non? J'ai grave pas le temps d'enchaîner. Oh, c'est win. 4, ça veut dire quoi, 4? 4 étoiles. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ce miel? Je crois que c'était la vraie fin du niveau. Parce que quand il y a deux fins, et bah, le sol, il est violet. Mais du coup, il se passait quoi si j'allais à droite? C'est violet, hein, quand il y a deux fins. Refais-le, mais le problème, c'est... Le problème de le refaire, c'est que c'est pas une partie de plaisir, quoi. Mais on va le refaire, hein, mais... Oh, il y avait une étoile. Ah, c'est juste une étoile. Allez, je me barre. Mais j'ai l'impression que les boules... Ouais, les grosses boules vont plus vite que les... D'accord, elles ont pas le même timing, en fait. Bah, le scrolling va vite, là. Mais what? Mais il va méga vite, le scrolling. Il va méga vite. Il est pressé, le caméraman. What the fuck? Là, le jeu est vraiment devenu dur. Genre, tout le monde de Bowser est d'une difficulté, mais abracadabrandesque. C'est win. Pas du tout. Pas du tout, on est à peine à la moitié. Bah oui, mais... Bah oui! Mais il y a 45... comment on appelle ça? Clé à molette? J'ai perfect un niveau aussi dur. Je suis heureux. Oh, des Skull Rex. Putain! Merde! Je le sentais arriver. Ok, j'ai une technique, Oh, allez, allez. Voilà. En gros, là, ma technique, ça va être de... Ok. Franchement, avec la fleur de glace, ça rend les choses plus abordables. Hein. On attend que le jet de caca s'en aille. Into, on fait ça. Vite. Oh, oh. Mais j'ai manqué une étoile, bordel de pute. Ok, le monde de Bowser. Putain, bah ouais. Enfin, niveau de Bowser, enfin, niveau de château. Enfin, voilà quoi. T'as capté un peu la drill. Bizarre la physique des boules. Bon, c'est comme dans la vraie vie, hein. La physique des boules a toujours été assez spéciale. Oh, y'a une énigme. Putain, les fans de Zelda seraient tellement heureux que je dois casser les blocs avec des bombes. Ils doivent bander, quoi. C'est qui a des flammes violettes dans les Koopalings? Flammes violettes. Flamme azézette. Ah non, rien à voir. Flamme violette, Kamek. Non, ça voudrait dire tellement de choses. C'est qui? C'est à moi de savoir le méchant. Hein? Y'a pas de méchant? Qui me lançait ses boules? Ah non, c'était le niveau avant la tour! Oh putain, là on est dans le château. En fait, là tous les niveaux sont des châteaux, quoi, je crois. Oh, je déteste. Je déteste. Ça là, je déteste. Putain, les gars, on se rapproche de la fin. Hein. Ah! Ah! Je rush. Je suis pas foutu. Ok, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la D. Oh, backflip carrément. Un backflip pingouin, c'est pas mal. C'est le dernier niveau là. Oh, wow. Oh non. Tellement de boules. Oula. Oula. Wow. Putain, je vais mourir. Crève. Pourquoi il y en a des gros, vous le savez? Vous pensez qu'il y a genre une chaîne de fast-food genre dans le monde champignon? En vrai, on n'a pas vu Bowser de tout le jeu. Hein. On a vu les Koopalings et tout, mais on n'a pas vu Bowser. Est-ce que c'est vraiment Bowser le méchant final? Bon, si c'est Kamek, c'est extraordinaire. Ma théorie, c'est que Kamek est le méchant final et le vrai méchant de tous les jeux Mario et que Bowser n'est pas si méchant que ça en vrai. C'est juste Kamek qui l'a recueilli en tant que bébé dans les jeux bébé Luigi, bébé Mario, etc. Et qui le rend mauvais, qui rend tous les autres mauvais. C'est même lui qui transforme Bowser en squelette, etc. et tout. Et que lui en fait il veut juste baiser quoi, Bowser, en soi. Mais il ne veut pas faire nécessairement le mal. Alors que Kamek, lui, je pense qu'il a vraiment juste des intentions... Ah ! Mauvaise. Moi c'est ma théorie. En fait j'hésite entre lancer ma manette... Puis je me rappelle le prix et du coup je la suce. Donc autant la sucer pour exprimer ma rage. Puis de toute façon ça fait de mal à personne. Une petite pipe. Enfin je veux dire. Ok. Non. Putain. Bah ouais, bah là j'ai pas de transformation pour le boss. Oh, c'est Bowser du coup le méchant? C'est vraiment Bowser? Tiens là bébé. Ah. Bébé. Oh putain. Hein? Mais là c'est quoi la suite? What? Ah oui. C'est vraiment un nouveau monde ou... Non, c'est la suite, non, je pense. Genre 8... 8 underground. Trop stylé. Attends, je me disais, il était un peu abordable, quoi. Il était trop abordable, le niveau final. Ok, je me barre.
Nouvelle musique, nouveau monde, nouvelle Lamborghini, nouveau Dodan. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. C'est un scrolling, enfin c'est... D'accord, donc là, ok, ma transformation, j'ai même pas pu savoir ce que c'était. Bah alors, on roule du cul. Oh non, arrête-toi. Putain, j'avais pas vu sa tête, là. Putain, les scrollings sont devenus de plus en plus hardcore. Oh là là. Bon, sauf si je suis un pro, mais écoutez, ça... ça... Clairement, on passe au-dessus des... rageux. Waouh, non mais là, c'est impossible. C'est impossible, je suis désolé. Et c'est... Je vais... Waouh. Ok, c'est bon, ça s'arrête. 8-6. En même temps, je me disais, il y avait trop... 8-6. Ma lubulule. Non. Oh non, s'il te plaît. Attends-moi. Moi, non, je... Oh. Alors, les chauves-souris, toujours aussi chauves. Le jeu mérite d'être un vrai jeu de la licence. Je suis dégueulasse, mais aussi entièrement d'accord. Pour l'instant, on a toujours pas fait de boss hein, dans ce monde. Magma Factory. C'est... Oh oui, d'accord, c'est une usine, quoi. Oh putain. J'ai bien joué, là. On dirait une musique un peu géométrie dash. Mais une musique qui s'excite un peu comme ça. Oh, on peut pas. Oh non. Oh non, non, non. Oh non, non, s'il te plaît. Mais déjà, le zizi caca, là. Allez. Oui. Ici, on est des pros, hein. Ça va. Les gars, c'est mon métier, vous inquiétez pas. C'est mon métier, vous inquiétez pas. Enlève le zizi. Enlève. Mais je peux pas esquiver le zizi, en fait. Je suis obligé de le manger. Allez, le zizi qui va monter, là. Envie de monter, hein, je le sais. Il est monté, donc là, on passe là. S'il te plaît, tu peux descendre. Il descend, le zizi. Bon, je vais essayer de pas un bon exit, tout ça. Et en gros, là, je vais activer ça. Comme ça... Elle est déjà là, elle. Donc ça, peu importe ce qui se passe, je m'en bats les couilles. Vas-y. Mets-moi le zizi dans les... Bah ouais, bah aussi, si je suis trop fort. Bah oui, je vous éteins, les gars, avec mes boules. Challenge House. Ok, on va faire la Challenge House, histoire d'avoir quand même un peu de power-up. Avant Bowsy. Oh, pour une fois, ça a l'air assez simple. Ah non, je crois pas. J'ai perdu, là. Mais no fake. Non, en vrai, il me reste 14 secondes pour avoir deux pièces, c'est bon. Non, là, c'est easy. C'est easy. Vous voyez pas le timer, mais là, il reste 5, 4, 3, 2... Voilà, c'est win. Moi, mon Nemesis, c'est vraiment la musique, hein. Oh, oh. Elle est incroyable cette challenge house. Le deuxième château. Oh putain. Ah non, moi je suis un pingouin. Mais c'est les boules de qui? C'est les boules de qui sont bleues comme ça là? C'est qui a les couilles bleues? Boss. Ça va être qui? Non. Non. Je le savais. C'est-à-dire que toutes ces années de théorie étaient vraies de ma part genre? Bon, il faut que je bute vite quoi. Mais il peut arrêter de se TP sans cesse? Mais frère. Yes. Je vous avais dit que c'était lui le boss final et c'était pas Bowser. C'était tellement lui. Ah mais c'était lui les boules bleues. Il y en a qu'un seul qui a des boules bleues, c'est lui. Oh putain. Mais ça n'en finit pas! C'est quoi ça? Ok, j'ai 100 secondes pour faire le niveau. Ça m'a pas l'air méga compliqué là. Oh putain! Oh l'erreur! C'est quoi les tremblements? C'est qui a un gros cul quoi? Mais j'ai 100 secondes, je prends mon temps. Genre je visitais, je parlais. Putain, je suis en train de chier dans une colle, mais énorme. Moi j'aime bien les niveaux comme ça! Où j'ai pas beaucoup de temps et on se dépêche. J'aime bien! Allez, on continue. Un autre biome? What the fuck? Oh putain! Ah non, je crois que c'est vraiment Bowser là. Oh non, c'est vraiment Bowser le méchant. Oula, il faut pas que je clique là-dessus sinon je meurs. Ok. Ah, ok, d'accord, putain, je pensais que c'était le boss. On dirait un niveau Mario Maker. Je crois que c'est sorti avant Mario Maker, non? Il est sorti genre en 2013. Mario Maker, c'est quelle année? Oh! Wow! Mais putain, mais il spawn sur moi en fait! C'est win! Tu t'enfonces de plus en plus dans les enfers. C'est mon raté, les gars. C'est mon raté, Bowser, Mario, tout ça. Pas les enfers, hein, non. Par pitié. Oula. Ok, fleur de glace. Est-ce qu'il nous lèche le. Lèche. Laisse le. Il nous laisse le choix. Pour fleur de glace. Totalement fleur de glace ici. Oh putain. Ok, on est contre Bowser les gars. Il faut vraiment juste cliquer sur le truc et tout. Ça devrait le faire hein. Ah non. Ok. Ok bah je t'éteins mon ref. Je t'éteins. Et à quoi maintenant? Je t'éteins. Tu sautes. Finito. Ah non d'accord, pas du tout. Ah pas du tout. J'éteins tellement toutes ces boules. Non mais Bowser t'es fini hein. Je te fais carrément reculer genre. Oh non. Ah non, et on peut pas passer en dessous de lui en... Waouh. Ça va aussi. C'est win. Et j'active ça. Il se passe. Oh putain c'est pas win. C'est quoi ça? Je peux tirer? Ah oui je peux tirer. What the fuck? C'est quoi ce miel? Crève. Wow. Que caches-tu? C'est méga dur de viser. Ah. En vrai il est grave original ce combat. Il lance des trompes. Mais les trompes ils ont des âmes. Enfin t'es au courant dans Mario 64 quand même qu'ils ont... Genre c'est des êtres vivants quoi. Mais il faut tirer sur lui ou... Oh putain. J'ai vraiment l'impression qu'il faut juste résister hein. Il faut pas lui lancer sur Bowser hein. Et que en fait c'est juste un scrolling qu'il faut que je résiste hein. Genre j'en suis presque sûr. En fait, ce que je le fais, ça lui fait pas des dégâts, ça le stone pour l'empêcher de lancer des objets. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois avoir compris. Après 1000 ans, hein. Mais en gros, ça lui enlève juste son animation de tirer. Genre 100% c'est ça, en fait. Et du coup, ça l'empêche de tirer. Même le bruit et tout, c'est pas un bruit de dégâts, c'est un bruit genre de stone, quoi. En fait, il faut juste que je résiste. Le boss a été compris, a été analysé sous toutes ses formes. J'ai si peur! Voilà, je le dis, j'ai peur! Ok, c'est bon, je deviens gros. Ok, je deviens petit. Ok, je deviens gros. Genre, ce passage-là, je trouve tricky de ouf, hein. Attends, est-ce qu'on est déjà allé aussi loin? C'est win, c'est cette run et pas une autre. Oh oui. Oh oui. Ah non.
Non, ok, j'ai encore cru. Oui, j'étais déjà allé aussi loin. Noir. What, 12. Bon, t'arrives quoi, là? Putain, il a failli me tuer. Oh, j'aurais pu mourir par ce coup de merde. Heureusement, j'étais gros. Souris. Oh, putain. Oh, oui. Mais non. J'aurais le droit à un bisou. Ou genre un câlin. Ou une poignée de main. Non. Oh putain. Mais non. C'est déjà la fin du game. Ok. 354 quoi. Genre si tu finis le jeu à 100%, Zahama t'as des niveaux plus. Attendez, il y a un nouveau truc. Attendez, je regarde quand même. C'est quoi ça, hein? Là il faut que j'ai 354 étoiles. Moi en tout j'en ai collecté combien? 213. Oh ouais, non mais non, c'est bon. Oh, faut aller se faire foutre. Non, vraiment, faut aller se faire foutre. Non, mais je... Non. Faut doser. Comment ça, je suis un tiers du jeu? Faut vraiment doser.